Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie de Jim Parks. Et bonjour Altair, comment vas-tu? Oui, on se retrouve sur GTA une deuxième fois, deux jours de suite, mais qu'est-ce qui se passe? Et bah tout simplement, j'ai vu un truc, on va pas faire une vidéo entièrement sur GTA, mais j'ai vu qu'il y avait une journée porte ouverte à partir de 14h, donc c'était il y a une heure. Au poste de police de Vespucci. Et du coup, comme j'ai très envie de visiter le poste de police de Vespucci, eh ben, on va juste faire ça. Hop là. Il faut quand même que je mette le casque. Youhou! Donc on va juste faire ça, on va aller voir le... Voilà, j'ai des messages. J'ai un petit peu si besoin, 18h48. T'étais trop tard! Hello, ça va? Et toi, toujours capitaine? Et non, ce sera plutôt le capitaine Swan qui sera chief. Je suis très bien en second. Je me doutais qu'il voulait pas être... Il voulait pas être à la tête hasard. C'était plus une blague qu'autre chose. Mais il dit quand même que ce sera plutôt le capitaine Sohn qui sera chief. Ouais, quoi qu'il est capitaine, ouais, c'est un hypothétique. Si jamais il y a un des deux, si jamais le chief part, il y a un des deux qui doit prendre la relève. Bon, la journée porte ouverte de nouveaux locaux. Veuillez vous garer en 93 en face pour éviter les accidents. Bon, il tombe bien ce bandeau Weasel. Eh, bonjour Lily, comment vas-tu? Jim, j'ai essayé que en ce moment c'est compliqué en après-midi pour moi, je peux t'aider? Non, je peux pas m'aider. On va se garer une seconde. Hop là. Bonjour. C'était juste pour prendre des nouvelles. En après-midi, ne risque pas de se croiser. Comment ça se passe pour toi? Hop là, et voilà, on est reparti. Youhou, super vitesse. C'était pas un stream de soirée normalement. J'avais dit que c'était peut-être un stream de soirée, peut-être un stream d'après-midi, je savais pas encore. Et du coup, j'ai dit que ce serait un stream de soirée, sauf si je le lançais l'après-midi. Pour être exact. Et ben voilà, je le lance l'après-midi. Je pense que je vais faire pas mal de streams d'après-midi en vrai sur peut-être les deux prochaines semaines là. Youhou, super vitesse! Et puis, on verra, peut-être quand même, non, 40 c'est pas beaucoup quand même, hein. 40 faut peut-être pas abuser. Ah, il y a un point rouge, ils ont mis un point de ralentissement. Par contre, mon marqueur vient de disparaître, ça doit être le parking qui est là, ici. Vous savez quoi, on va se garer là, nous. Hop là. Je sais pas si c'est de ce parking là. Ça vient de péter là, non? Je sais pas si c'est de ce parking là qui parlait ou. Oh, il y a une échelle juste là. Si je veux monter sur un bâtiment pour espionner le LSPD. Ça vient de repéter là. Oh, il y a des policiers qui courent, mais par contre pour. Pour voir ce qui a pété depuis le nouveau PDP, ça doit être beaucoup plus compliqué. C'est le commissaire, ça. Je reconnais. Et bonjour. Et bonjour, comment allez-vous? Bah ça va et vous? Bah ça va, ça va. Bah nickel, bah je monte. Ouais, exactement. Je
Je savais pas qu'il y avait un service son et lumière compris. J'arrive, ça explose de partout. Non, alors. Le son et lumière, c'est pas de, c'est pas de notre sort, pour être honnête. Ah. Besoin de vous pour mettre le véhicule jaune sur le parking. C'est quoi? C'est 93, je crois. Merci, lieutenant. Oh. Hop. Du coup, pour la visite. Ouais. Je vais juste attendre que le bénisse. Et s'il y a une autre personne qui arrive en pensant, on fera deux. Sinon, je vous fais la visite comme ça. Ça marche. Bon, alors, ça donne quoi ce nouveau PDP? Bien. Bien, c'est. Il y a des choses qui sont très très pratiques pour travailler dedans. Ah, c'est bien ça. Là, il y avait des fois des moments où. Par exemple, une salle des saisies plus grande, je pense que c'est une bonne idée. par exemple ça. Parce que par c'était exemple, quand une même. Une salle des saisies où il y a. Hop, parce qu'une porte et on est dans un garage où on peut mettre un riot. Ah, c'est bien aussi ça. Ça gagne du temps. Bon, vous allez voir, mais pour mettre en cellule, etc., on est aussi pas mal. On a de la place. Et on a des salles à peu près pour tout et pour rien. À part un stand de tir. Il n'y a pas de stand de tir? Non. Ah, ça c'est dommage quand même. Parce que s'il faut monter au FTC pour tirer, bah, c'est un peu loin. Oui, bah. Ouais, c'est ça. Bon, en vrai, c'est. Freeway en haut et on est là-bas, hein. Oui, c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'en fait, maintenant, c'est vachement plus proche du... C'est freeway.z, et hop, on y est. Hein. C'est vrai qu'il comme ça, finalement, on bon, passe, c'est sûr vrai. Que bon, le stand de tir est à l'intérieur du PDP. Ça va être sympa pour faire les PPA. C'est qu'on s'appelle c'est pour c'est les quand même bien plus rapide, mais voilà, même pour ça, c'est... Oh, non, il a pas lu le loisel, lui. Eh hey, bonjour! Une neige qui m'a rappelé, Donovan qui m'a rappelé quasiment en même temps, et Jensen qui m'a rappelé. Et bah. Si vous décrochez pas, tant pis pour vous. J'ai pas pris à manger et à boire. Je dois avoir de quoi faire. Ah, mais ça va le faire, 5 burgers pour une visite guidée. La visite guidée, elle va pas faire une heure. Et même si elle fait une heure, 5 burgers, c'est ok. Faudrait que ça fasse une heure et demie pour que ça soit pas ok. Et je pense que les officiers de police ont mieux à faire que de faire une heure et demie de visite pour chaque personne qui vient. Allez, un petit 10-33 pour la formation médecin. Ah, c'est vrai qu'on pourrait passer voir les médecins aussi. Il y a une porte ouverte hier, médecin. Mais je l'ai vu trop tard, je l'ai vu après mettre déco. Je l'ai même vu tard, parce qu'en fait, c'est assez rigolo. Il y a eu une communication dans le Weasel qui annonçait les portes ouvertes de la police. Aujourd'hui. Elle s'est faite, je crois, juste avant minuit. C'était quoi au niveau de la mairie? Ah! C'est ça qu'on a entendu péter du coup? Ah, c'est juste à côté, hein, ça peut être ça. Hein. Oui, donc, les portes ouvertes qui ont été annoncées pour le LSPD via le Weasel News. Du coup, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est le Weasel News qui annonce ça. Je vais voir dans annonce police, il n'y a rien. Je vais voir dans annonce Los Santos County, il n'y a rien. Par contre. Il n'y a pas rien en fait, il y a un truc qui marquait journée porte ouverte. Je me dis, ah bah si c'est bon, ils l'ont annoncé quand même. Et je regarde l'annonce et ça dit journée porte ouverte au LSES. Et en fait hier il y avait une journée porte ouverte au LSES qui a été annoncée par la mairie sud. On aura peut-être un portail Crispies. Et
Et du coup, ouais, je me suis dit, mais c'est fou, rien ne change. Le LSES continue à avoir des communications avec la mairie et ça se fait et tout. Et le LSPD, il n'y a pas de communication entre le LSPD et la mairie. Ou alors la mairie communique pas pour le LSPD. Enfin, c'est marrant cette constante qui fait que entre le LSES et la mairie, c'est fluide et pas avec le LSPD. Je vais quand même aller vérifier s'il n'y a pas eu un communiqué depuis, peut-être. Je vais pas regarder aujourd'hui. Flash, porte ouverte au LSPD. Nous avons l'occasion de visiter le commissariat de Vespucci. Gna gna gna, on vous en parlera bientôt. Gna gna gna, n'hésitez pas à vous garer sur le 72-62 pour éviter les accidents. Santos Conti. Toujours pas. Porte ouverte au LSES. Le 16 avril, donc hier. Et ça disait, le 16 avril, hein. Ça a été publié le 16 avril, donc hier, et ça disait, à partir de 20h30, le LSES ouvre ses portes. Donc ils ont publié pour le jour même. C'est terrible ça, j'ai perdu mon lieutenant. Il qui me vouvoie toujours. Je l'ai. Il est où? Je l'ai pas entendu là? Non, c'est pas lui. Par contre, le mec a pas bougé sa moto. Hein. Il est parti lui dire vous pouvez vous garer en face. Et apparemment, ça l'a pas intéressé plus que ça. Bon, en attendant, cette échelle là qui permet de monter. Ah, c'est juste en face. C'est-à-dire que si je monte sur l'échelle. Bah là, il n'y a plus personne qui regarde, mais si je monte sur l'échelle après avoir fini et qu'il n'est pas reparti avec d'autres personnes pour la porte ouverte, il va me voir faire. Ça m'intrigue quand même. J'ai envie d'aller là-haut et j'ai envie de voir ce qu'on voit exactement du PDP. C'est pareil, ça m'intrigue. Est-ce que c'est des fenêtres occultantes qu'ils ont mis? Ça a l'air. Ça a l'air d'être des fenêtres. Là, il y a des fenêtres où on voit à travers. Là, c'est des modèles de fenêtres où on voit pas à travers. Et là-haut, ça a l'air d'être occultant aussi. Donc on pourrait pas observer. Parce que ça serait marrant de pouvoir se mettre en face pour les criminels. Et de pouvoir observer à l'intérieur du PDP et de voir ce qui s'y passe. Ça veut dire que c'est au LSPD aussi de faire attention quand il y a des interrogatoires, par exemple. Il faut que la salle d'audition, ça soit pas un endroit qui est trop visible de l'extérieur. Ou alors ils s'en foutent et puis tant pis. Mais pour la sécurité des gens, c'est mieux qu'ils soient pas trop visibles. C'est pour ça qu'on les emmenait à l'étage et qu'on les gardait pas dans l'open space, par exemple, où j'en sais rien parce qu'on fait pas une. Il y a eu des interrogatoires dans l'open space quand j'ai commencé. Je me souviens avoir eu un commissaire qui râlait pour dire « dis donc, les interrogatoires, c'est pas dans l'open space, hein ?» Parce qu'avant, on parlait avec des gens dans l'open space, on leur disait « Ouais, vas-y, allez-y, rentrez !» Hop, dans l'open space, on discutait, quand c'était des gens qu'on connaissait un peu, en général. Et encore, même peut-être pas. Bon. Mais j'ai perdu mon... Ah, c'est pas un membre du LSPD, ça. Ça, c'est un mec en civil, habillé comme un mec du BCSO, ou de la SASP, je fais toujours pas la différence, de loin. Peut-être plus SASP. Ça, c'est un mec de la SASP qui est... bon. On va envoyer un message à Donovan en attendant.
En gros, vous utilisez l'open space pour ce qu'il est, un open space. Ouais, mais non. Parce que l'open space, c'est un lieu de travail pour de l'administratif, pour des officiers de police. Ah, quoique, tu vas me dire, dans les séries, en général, les gens, ils s'assoient à un bureau, ils prennent les plaintes. Ouais, c'est pas si déconnant, en fait. Mais bon, vous pouvez pas s'asseoir. Non, mais en vrai, c'est pas si déconnant que ça. T'as raison. C'est peut-être même pour ça que les officiers l'utilisaient. À la base, ils se disaient peut-être que c'était une bonne idée. Hein. Ça partait peut-être d'un bon sentiment de faire un truc... filmo-compatible. Comment on va tourner ça? Je suis rentré, je voulais prendre des nouvelles. J'ai pas souvent mon téléphone sur moi. Faudrait qu'on se cale un moment pour être sûr de pas se rater. Les commissariats américains, ils prennent les grosses dépositions en salle d'interrogatoire. Ouais, mais tu vois souvent dans les films, tu vois souvent quand quelqu'un passe dans l'open space, bah notamment sur des salles d'exposition des commissariats, tu vois l'open space et tu vois des gens qui sont assis en train de parler à des officiers de police, en train de taper les rapports ou quoi. Et c'est pas forcément des gens qui portent plainte d'ailleurs. Un incendie est en cours au motel de Paleto. Oh, dis donc, ils vont pas s'ennuyer les pompiers. C'est pas forcément les petits trucs, c'est dans les open space. Ouais, voilà, c'est ça. C'est souvent aussi quand t'arrêtes quelqu'un, tu l'arrêtes et puis tu l'assois sur une chaise dans l'open space et tu lui dis bon alors pourquoi on vous a arrêté devant une vitre brisée. Et puis le mec il te raconte son histoire, et puis après tu le mets en cellule, paf, garde à vue, et puis paf, fin de l'histoire. Je suis vraiment arrivé au pire timing, non? Bonjour! D'accord. Dérapage sans gyro. Allez belle la police! Après, je comprends. Hein. Quand t'as l'habitude de conduire toute la journée et de faire « Oh là là, dis donc, ça serait pas un ascenseur et plein de procureurs qui viennent de descendre d'un coup, là ?» Ou alors c'est la porte ouverte précédente que... Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, là. Peut-être la porte ouverte précédente qui se termine. Et voilà qui conclut la visite. Ils ont dû faire un roulement, j'imagine, quand même. Genre, un mec qui fait la visite, un mec qui reste pour accueillir les gens, histoire que les gens ne viennent pas, sonnent, et puis attendent que la visite soit finie sans savoir ce qui se passe. En plus, ça stresse les gens pour pas grand-chose, les salles d'interrogatoire. Si c'est pour demander à Kevin pourquoi il a volé le sac à Mamie Georgette. oui. C'est vrai. Oh, c'est Harper qui fait la visite. Et lui, c'est le mec qui avait garé sa voiture là et qui est plus là. Oh, chouette. Ah, attends, il y a d'autres officiers qui arrivent là. Ça, c'est Jenkins, le commissaire. Il l'aime bien Jenkins le commissaire, j'ai l'impression. Et un mec qui ressemble vachement à Jolie quand même. Ah mais c'est Bishop. Ça doit être Bishop. Park c'est pas au courant encore, mais Bishop est revenu à l'espie. Enfin revenu.
Il est venu, je sais pas s'il a déjà été au LSPD, mais en tout cas il est au LSPD. Ah, mon petit monsieur. Jamais il me semble. Bah j'ai pas trop, mais comme le commissaire a été, enfin comme le commissaire, oui, a été commissaire il y a très longtemps, avant d'être shérif. Je sais pas s'ils sont connus à cette époque-là, si Bishop est plus récent, je sais pas, je connais pas la vie de Bishop. Ah oui, normal. C'est la bonne façon de quitter un poste de police, de bah sauter... Non, attends, il fait quoi lui? Bah non, il saute pas là en fait, il fait le tour comme tout le monde. Et il part en courant. Il saute de la baie de l'estrade, il part en courant. Le mec, c'est un Yamakasi. C'est tous les officiers Je sais pas s'il est officier Jenkins, mais il est du BE. Les gens du BE, ils restent au PDP, c'est comme ça que ça marche. Enfin, Jenkins, surtout, il reste au PDP. Fais pas genre, tu ferais pas pareil. Je ferais complètement pas pareil. Est-ce que vous m'avez déjà vu souvent sauter des balustrades, par exemple au hasard à la mairie? Je prenais systématiquement l'escalier. Ah! Ok. Le mec était pas venu pour la porte ouverte, il était venu rendre des saisies peut-être, il avait trouvé des trucs dans son appart ou j'en sais rien et Mais alors si c'est ça Ou alors c'est un mec qui est venu se rendre, il a fait des bêtises, il l'emmène en cellule. Non, ça, on part plutôt sur l'idée de... Il avait des trucs illégaux, enfin il a trouvé des trucs illégaux peut-être dans un appart ou quoi et puis il venait de les rendre. Ou alors on peut faire un mix des deux. Il a fait des bêtises. Et il s'est fait choper, mais pas tout à fait. On lui a dit, vous venez rendre des bêtises ou alors sinon on vous poursuit et on rentre dans votre quartier. Ça marche aussi. Monter un mur qui faisait deux fois ta taille pour rentrer dans la mairie. Ouais, oh, deux fois ma taille, t'exagères un peu. Deux fois ma taille, le perso, il aurait pas réussi. Oui, je le faisais pour le mur de la mairie derrière parce que ça manquait d'échelle. Mais parce que pour le coup, c'était super mal foutu. Le garage était... Pour le coup, c'était super mal foutu. Le garage, il était à un endroit et la porte d'entrée pour arriver dans la mairie par la porte arrière, elle était juste à côté, mais en hauteur. Et salut à coup. Alors que là, c'est pas mal foutu. Il y a un escalier juste à côté. Là, en plus, le mec, il est parti par là, donc vraiment, il a sauté pour aller par là, ce qui n'a aucun intérêt puisqu'il aurait pu aller par là pour aller par là. Quoi. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pareil, vous me voyez très peu courir. Hein. Je cours... déjà, je cours généralement quand il n'y a personne autour de moi. J'évite de courir quand il y a du monde parce que c'est bizarre, quelqu'un qui court. Et en général, quand je cours, je cours même pas sur toute la distance. Quand je cours, c'est souvent pour rattraper les gens. Et puis derrière... Par contre, je suis arrivé après une vague de gens, mais je suis tout seul. Et c'était la dernière vague de gens. Ah, le commissaire est reparti, tiens. Sur ce, je vais aller faire les courses. Ah, tu vas rater la visite du PDP. C'est terrible. Au revoir tout le monde. Et hop, ça part en courant et en sautant. Ah, on ne s'arrête jamais au PDP. Il y a un camion là-bas. C'est vrai que c'est quand même moins facile d'attaquer la... Enfin, de voler cette supérette là. Hein. C'est quand même vraiment juste à la sortie du PDP. C'est-à-dire que là, un officier de police... comme il qui est là, il voit que ça sonne, il pourrait y aller à pied.
Il se met à pleuvoir. Ah, les gens s'en vont. Il se met à pleuvoir, les gens s'en vont. Je vais me mettre à l'abri. Hein. Ouais, la sub Black Cat maintenant. Ouais, ouais, bah c'est. Hop. Ça marche pas, c'est. Oui, aussi. Hop, mettre là. Je peux même peut-être attendre à l'intérieur. Hein. Ah oui, vous avez pas vu, j'en ai parlé hier avec Wendy. Est-ce que ça va être là? Normalement, oui. Ah bah non, c'est pas là. Est-ce qu'on peut voir ça? Comment on peut voir ça? On peut pas, hein. Va falloir que je vous l'affiche sur une page à côté. J'ai pu voir ça dans le Weasel, j'imagine. Le... Rogers a changé de logo. Il est rigolo, leur nouveau logo. Hop, je vous l'affiche rapidement. Rogers Salvage and Scrap. Et c'est un petit raton laveur, j'imagine. Ça y ressemble, en tout cas. Ce sont effectivement des... Je pense que c'est pour ça, c'est des animaux qui, dans certains pays où ils habitent, notamment en Australie, je crois, mais peut-être en Amérique aussi, fouillent pas mal les poubelles. Moi, bon, c'est Pipou, le trash panda. Il pourrait y avoir l'ensemble des véhicules à l'SPD en moins de 5 minutes. Bah oui et non, après c'est ce que je disais. Faut pas oublier que... En fait, le poste de police, c'est pas forcément l'endroit où il y a le plus de... Où il y a le plus d'interventions. Parce que les officiers de police sont rarement au commissariat. Et au commissariat quand tu prends ton service, mais le reste du temps, normalement, t'es en patrouille ou ailleurs. Et donc en fait... Et du coup. Mais oui, mais je sais pas où il est du coup. Bon, ils viennent pourquoi eux? Je crois que c'est... Alors, il y a plein de gens qui sont sortis d'un coup, donc je me dis que c'est peut-être la visite précédente, non? Eux, ils sont sortis? Ouais. Bon, du coup, reviens avec moi. Je te fais la visite. Visite privée. Je vais te faire attendre pendant 10 ans. Bon, du coup, je sais pas si t'es déjà rentré à l'accueil. Pas du tout. Du coup, notre petite sonnette, procureur qui est dans le même bâtiment, non pas de sonnette, du coup, avec le téléphone si tu veux les contacter. Ok. Voilà. On va commencer par... Bon, la buanderie, je pense qu'on s'en fout un peu. Oui. Du coup, ici, salle de réunion de crise. Avec des sièges. Bizarrement, il n'y a que dans cette salle qu'ils ont des sièges comme ça. Hein. Voilà. Bon, pas grand chose à dire là-dessus. Hein. S'il y a des crises, on peut, ils peuvent se mettre là pour des réunions, etc. Ok, bon, il y a pas de place d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je me posais comme question. C'est, les sièges sont très. Ouais. Ouais. La fin de la réunion, très, très proche et. Ouais. La fin de réunion sera faite. Tous sur les tables. C'est ça, c'est pour finir sur un câlin général, histoire de partir sur une bonne note. Voilà. Juste à côté, il y aura la salle de com, je te laisse me suivre. Ah, puis c'est bien, vous avez des portes qui restent ouvertes. Ouais, il y a beaucoup de portes aussi qui sont fermées. Du coup, avec le fond d'écran, le fond officiel SPD ou police, si là on reconnaît pas que c'est la police, j'en peux plus. Et là, c'est pour faire. Vous voulez faire des spots de pub. C'est ça. Ça s'allume la lumière? Ah, oh, bah elle est allumée peut-être déjà. Ah oui. Mais voilà, ça c'est la salle de la com. Ah, il y a des. Il y a des partisans de hasard au gilet jaune. Non. qu'est-ce qu'il y a ? Bah ici on va voir les vestiaires à notre gauche. Du coup un vestiaire femme. Ah,
Grande avancée. Ouais. Grande avancée. Vestiaire, chacun son petit casier pour les procureurs et pour nous. Hein. Bon, les procureurs, ils viennent surtout, ils ont un casier pour eux parce qu'eux, ils prennent juste un petit badge et ils repartent, tu vois. Et nous, on a des vrais casiers avec et tout ça. Bon, les toilettes, bon, pas besoin. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour les femmes. Voilà. Une toute petite cafétéria où on peut bah c'est là où on fait nos petites pauses, où on peut se servir à manger et à boire. Oh, toute petite, mais c'est quand même bon, on est plutôt bien en vrai. Hein. C'est quand même vachement plus grand que la précédente, hein. Bah, la précédente en plus c'était vraiment entre une salle à manger et une salle salle de repos. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment, on sait qu'on est dans la cuisine, quoi. Ah non, c'est bien. Puis vous avez vous pouvez regarder En pleine comment ça s'appelle, visite. Je te dis quand je suis dispo. Ouais. Ouais. Bon, je suis avec une personne hein, parce qu'il attendait déjà depuis 10 minutes. Bon. Et bonjour Val. Bonjour. Vous vous parlez au téléphone face à face? C'est un peu, c'est le principe. J'ai pas vu ça, j'ai vu que part, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il fout là? Bah voilà. Venu à l'Espédie? Ouais, c'est ça, je suis, je suis venu enquêteur interne. Hein? Oh putain. Non, je déconne. Directement, ça a directement mis des... Ouais, ouais, bah je vois ça, je vois ça. T'as la gaffe. Quelque chose à te reprocher, Val? Non, pas du tout. Pas du tout. Tech. Excusez-moi, je me sers. Hein. Bah... C'est là pour ça, hein. C'est le principe, hein. Par contre, du coup, vous avez gagné un peu de, vous avez perdu un peu de temps de trajet sur les livraisons Black Cat. Ouais. Non, pas tant que ça. On va juste les faire un peu plus régulièrement et voilà. Hop. Ok. Bon, du coup, la petite cuisine. Avec la machine à café qui marche un peu trop bien à mon goût. Ça, tu vas avoir des agents qui J'en vois pas, hein, mais j'ai l'impression que j'entends. C'est les agents qui vont être énervés en permanence. Y a des gens qui crient en radio, tu sauras pourquoi. 10-4. Désolé, je finis mes visites du coup. Oh, pardon, excusez-moi. Et bonjour, ouais, pas de soucis. Et bonjour, Jim. On va commencer au moins 3. Wow. Bon, ici, je fais pas de dessin. On va pas s'attarder. Notre parking. Vous regardez, c'est Diatan, le parking qui arrive. Bah, tout en bas, quoi. Ah, ah ouais, par contre, le parking. Enfin, j'allais dire, il est un peu plus petit, mais en fait, bon, il y a le parking extérieur qui est vachement plus grand, par contre. Le parking souterrain est un peu plus petit, mais après, tu vas voir, on a encore un parking au-dessus. Ah oui. On a trois parkings maintenant. On a pas deux parkings. Ah oui, d'accord. Voilà la petite différence. Du coup, s'il y a des prévus comme ça, on les amène par cette porte et bah tu vas voir, il y a toutes les cellules là où ils s'échangent, les salles d'interrogatoire, tout ça. Ah, puis vous avez. Du coup, les salles d'interrogatoire, 4 fois 2 salles d'interrogatoire. Ah oui. Bon, du coup, salle d'interrogatoire et salle pour observer, quoi. Mm-hmm. Du coup, le bébé est très content parce que, bon, j'ai déjà hâte de voir que les 4 sont utilisés en même temps. Je sais pas si ça arrivera, mais au moins, ça permet de s'éloigner un peu plus pour éviter que... Bah, tu vas vite remarquer pourquoi on a 4 salles d'interrogatoire, c'est parce qu'on peut accueillir beaucoup de monde. Ouais, mais faut avoir 4 interrogateurs en même temps. Bon, ça, y a pas de souci. Y a besoin, hop, petit appel au BCSO. Ah, bonjour. C'est vrai. Si jamais, bah, du coup, là, on a pris l'ascenseur principal qui était de ce côté. Mm-hmm. Ascenseur secondaire. Ah, celui-là, il va pas à tous les étages. D'accord. Il va aux étages principaux, mais pas. Y a certains étages qui sautent. Par exemple, le deuxième parking, on peut pas y aller depuis ici. Okay.
Et avec cet ascenseur, on peut aller à. On verra, on ira après, mais sur le un toit où on peut pas aller autre part. Ah oui, il faut pas se tromper d'ascenseur du coup, faut bien connaître. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, c'est l'interlocuteur, du coup, les prévenus viennent par ici. Mugshot, du coup, ils se changent là et ils vont prendre. On prend leur photo ici. On a un Ok. peu plus d'espace, j'aime beaucoup. Avant, il y avait un trépied de merde qui me cassait les couilles. J'avoue que pour prendre les photos, c'était pas très pratique, comme de toute façon, Moi, je d'utiliser les suis content qu'il n'y a plus téléphones. de trépied. Il me faut pas grand-chose, hein. Ah, mais c'est Du les petites coup. victoires qui font les grands bonheurs. C'est ça. Du coup, toute petite cellule. Ah Une oui. double grande cellule. Juste à côté. Ah Puis, oui. six petites cellules. Vous pouvez rentrer si tu veux, y a pas de souci. Hein. Je suis jamais rentré dans une cellule. Bah si, je suis déjà rentré dans une cellule, mais Oui. temporairement quoi. Pour des types menottés des personnes. Ouais, voilà. Du coup, on va faire en premier celle-là. Parce que du coup, maintenant, s'ils nous cassent les couilles. Bonjour, les salles d'isoloir. Ah, c'est pratique ça. Ah, et puis vous en avez plusieurs en plus. Voilà, trois. Ils sont Le plusieurs à premier qui brailler les uns gueule. les autres. Ah, le premier qui gueule. Qui vient ici, hein. Donc, on a eu l'occasion. En 3 jours? En 2 jours? Je sais plus. Mais Ouais, ils ça ont arrivera. craché. Oui, ça, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Du coup, trois fois la même salle, on s'est pas fait chier. Oh bah de toute façon, le but c'est pas de faire de la déco d'intérieur hein, dans les cellules. Ah bah non, non, non. Du coup, les cellules, ben, on duplique. Ok, c'est la même chose en. Du coup, Bon, si on a encore quatre. plus de monde. Mais ça fait. Là, tu mets quoi? Tu mets au moins 6 personnes larges, peut-être même 8. On met du monde, hein. Tu veux pas trop les entasser, mais tu peux quand même. T'en as 2, t'en as. Wow. Oui, tu peux mettre vraiment beaucoup de monde, quoi. Ouais, tu peux au moins mettre Ouais, 6. mais je crois que. 6, ils sont encore larges, ils peuvent courir à l'intérieur avec 6. Ouais, je pense, hein. Ça. Au moins, on peut presque mettre un groupe. Là, t'en mets 3 larges, peut-être 4. Allez, on Ah va dire non, mais 3, 3 pour avoir de la largeur. Ça fait 9, 18, plus 12. On est à 30 Ouais. personnes, x 2, 60. Ouais, voilà. Je pense qu'on peut stocker pas mal de monde, ouais. C'est pas le verbe que j'aurais utilisé, stocker. Oh bah Mais ça dépend, ouais. voilà. Ça dépend qui. Bon, et ce qui est pratique, c'est que si on a deux groupes qui. Ouais, sur une OP, on a deux groupes qu'on doit ramener ici. Ah, il se voit Qui ont pas, ouais. complètement les yeux isolés, ils se voient même pas, c'est pratique. C'est pas mal en Parce que vrai. quand ils se voient et ils se font des doigts à travers les cellules, bon. Ouais, il y a que trois isoloirs du coup. Bon, autant mettre un groupe là, un groupe là-bas, et comme ça on est tranquille, quoi. Ouais. Petite salle d'identification, comme on avait aussi au Speedy Mission Row. Pas grand chose à dire là-dessus. À part qu'elle, je crois, est un peu plus grande. Bah c'était pas tout petit hein. Non, c'était pas tout petit, mais je crois qu'elle est quand même un peu Elle est plus grande. peut-être, ouais, elle est peut-être un chouïa plus profonde. Et du coup, on nous avait aussi mis à jour tous nos PC. Oh et dis donc oui, une hausse technologique incroyable. Ah bah. Rapport avant, oui. Vous êtes resté au CD par contre, mais Ah, il faut toujours avoir une version physique, hein, au bout d'un moment. Ouais. Il y a certains qui arrivent pas à s'en détacher. Hein. J'ai pas dit DVD, hein, j'ai dit CD. J'ai pas dit Bon, Blu-ray non plus. tous les étages, on peut aussi les faire à pied, on va pas les faire. Ouais, c'est bien l'ascenseur. Oui. Moi, un. Il n'y a pas grand chose, il y a un parking. Ok. Du coup, un parking pour nous là-bas et un parking pour les bureaux du procureur là-bas. Ah, ils ont pas le même parking. On n'a pas le même parking avec eux. Ok. Mais voilà. Oui. Et du coup, eux, ils ont que celui-là ou ils ont quand même des voitures sur Petit. tous les étages?
Non, eux ils ont que ce parking. Nous on a trois parkings, eux ils en ont un. Bien, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur le procureur? Mais super, super. Ça va. Et vous, vous allez comment? Bah, ça fait des visites. Ça se passe bien. Une envie de visiter. Ah bah, il faut. C'est un nouveau PDP. Oui, en plus, ça a coûté 15 millions à la ville, alors autant. Oui, autant c'est sûr. C'est vrai que c'est pas. C'est pas un petit. Oui. Ouais, ça. 15 millions. Ratio, prorata, une vie de salaire, peut-être trois vies de salaire du coup. Ouais, ouais, sur les services publics, ça fait un paquet d'années de travail. Un paquet de vie, hein, on est d'accord, oui, c'est ça. On a pris perpète fois 3. Eh ben, let's go, c'est pour la visite alors. Moi, je fais la visite, oui. Et du coup, quand on arrive à votre bureau, de toute façon, vous êtes au courant qu'aujourd'hui, on rentre. On se met devant les ascenseurs et dès que vous êtes dispo, vous faites visiter votre étage, quoi. Oui, mais bien sûr, voilà. sans problème. Ben, venez avec moi. Je finis et j'arrive vers vous, du coup. Ouais. Ah d'accord, bah écoutez, à tout de suite. À tout de suite. Non, parce que c'est pas comme s'il y avait encore 50 étages à faire visiter, mais bon. Bien sûr, autour des étages, il y a des toilettes. Ah, ça c'est pratique ça, pour pas prendre l'ascenseur. Ça fait plaisir. Avec une envie pressante. Chutez, monsieur, à gauche, s'il vous plaît, on vous entend jusque-là. Merci. Accueil en affaires, on va au briefing. Ils ont toujours pas désépaissi les murs, du coup. Ah, bah là, on va dire que les murs sont fins. Entre les étages, on va dire que il y a certaines salles où on sait que on a fait 2-3 tests où on peut entre guillemets parler normalement et c'est vraiment dans très peu de salles. Oui, ouais, après déjà parler après, normalement c'est bien. Comme il y a le bureau du procureur au-dessus, on évite de les déranger. Oui, et puis ils essayent à éviter qu'on entende toutes leurs conversations et nous. C'est ça, il y a peut-être des trucs qui ne doivent pas filtrer entre les deux services. Voilà. Il y a des trucs qu'on garde pour nous, il y a des trucs qu'ils gardent pour eux, quoi. Une petite salle d'attente avant de tous les emmener dans les salles de briefing ou de cérémonie qu'on a juste à cet étage. Du coup, petite salle de briefing où on. Je pense que ça se dit assez. Oui. On brief. Alors, on fait des briefs. Hein. Pas grand chose à dire. Apparemment, il y a certains qui. Ah oui, bah. Certains qui? Qui regardent des séries par ici. Mais ça. Ouais. Je pense que c'est des gens qui veulent. Il est tard le soir. Ils ont la flemme de prendre le véhicule chez eux, du coup ils mettent ici, ils regardent un petit épisode et après ils vont aller dormir dans une des salles. Faut installer un petit canapé au fond de la salle de briefing là-bas. Alors non, parce que quand on fait un brief et il y a des gens sur le canapé, ça va tendance à nous barrer ça. Bonjour, je suis en train de dormir pendant le briefing. Oui, non. voilà. Et du coup, en face, on aura la petite salle de. Tiens. Ah oui, c'est l'étage de vie, quoi, finalement. Série. Ici, pour le maintien, pour maintien physique des agents, il n'y a pas de. Là, on est plutôt bien loti là-dessus. Oui, je sais ça. On peut faire du vélo en regardant les gens sortir et rentrer dans le parking. Et en plus, petite vue sur tous les canaux. Plutôt pas mal. C'est vrai que du coup, la vue est pas mal pour. Ah bah là, de maintenant, tout l'étage, toutes les vitres, on a une petite vue à chaque fois, qui est plutôt pas mal. Je suis curieux de savoir quel sera le prochain groupe à s'installer dans les canaux. Oh, je pense qu'ils dégageront très vite. Ah ouais, parce que le BE, là, il peut faire remise en forme et travailler en même temps. Je crois qu'il y avait un groupe qui... Mais ça fait long. Il y a eu un groupe il y a très longtemps qui voulait se mettre justement en 81-31-80-30. C'est qui? Ouais, et parce que je sais qu'il y a eu, je pense, 80-23, mais il y a eu des gens qui étaient dans les. Soit 80-23, soit 80-21, mais il y avait des gens qui bloquaient ces accès-là quand ça passait trop vite. Bah, pour te dire, je crois que c'était avec. Quand j'étais encore avec Maldwin en patrouille. Pour te dire à quelle époque que c'est. Hein. Ah ouais, bah. Et il est venu ici, justement, sur le toit pour voir si on voyait dans le quartier. dans le quartier d'habitation. Ouais.
Oui. Dites-moi. Sur le fichier, oui. Oui, je l'ai. Oui, mais si vous le mettez en... Mettez-le vite fait en... Il est présent, non? Ouais, voilà, juste pour tester, mais parce que pour moi, il vient vraiment pas sur mon dispatch. Une explosion vient d'avoir lieu à la fourrière en 91-53. Vous avez tout compris. Ce serait une grande perte, tu penses? Ah. C'est vous qui êtes là en train de... Attends, vous êtes en E3 là, on est d'accord? Ok. Vous... En A11, vous avez quelque chose, vous? Tu fais une bataille Ouais, on est navale là. d'accord que... Mais là, dans la liste, du coup, il n'y a pas... Dans la colonne A, il n'y a pas Monsieur Rust. Marshall, Marshall, Marshall. Ça n'existe pas, Marshall. Bon, je préfère vous le dire parce que si vous le faites devant eux, c'est ouais, toujours plus compliqué. Ouais, peut-être pas Antarctique, mais ouais, ils vous le feront. Ouais. Ils vous feront comprendre. Ah, dis donc, les affiches. Un singe aussi. C'est très étrange. Attendez, je... Action shotgun et une affiche de d'action à de fusil à pompe, évidemment. Toc, 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 toc. Ça vous va si je finis la visite et je regarde? Comme ça, on est... Je tranquille. Ok. Allez, à tout à l'heure du coup. Allez, Et les petit posters, du coup, c'est des posters d'agents du LSPD? Les posters. Je les connais pas en tout cas. Mais possible que ce soit d'autres d'anciens agents, etc. Ah, les agents de. Les anciens agents de Vespucci avant la rénovation? Voilà. Du coup, la salle de cérémonie. Bon. Ouais, c'est classe! On a. Elle est très classe et il y a tous les petits grades qui sont déjà prêts à distribuer juste là. C'est pratique ça. Même si on les a plus sur nos tenues, mais on les Ah. a toujours. Bah oui, Ah regardez. oui, ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, dis donc. C'est On les depuis a plus sur nos l'arrivée tenues. du badge, du coup, ça a été. Je sais pas depuis quand, mais ça fait un moment déjà, oui. Ça Dommage fait ça. avant les tenues avant l'hiver. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas la moitié de l'île qui savait à quoi ça correspondait, mais c'est dommage quand même. Oh, ça c'est pas très grave. Hein. Ouais, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'il y a des étoiles. Ouais, on se Ouais, calme voilà, un c'est peu quoi. ça. C'est ça. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en face? Et du Quatre fois coup, là-bas, on 80, retourne 40 sur places. l'ascenseur secondaire. Ok. Voilà. J'avoue que si je devais revenir, je reconnaîtrais les pièces, mais pas les couloirs. Ah bah là. Ah, Bon, en soi, c'est. Au début, on a l'impression que c'est infaisable pour se repérer, mais au bout de 2 heures, moi, c'était bon. Hein. Moi, je pense que c'est une question d'habitude. Oh non. Du coup, unité spéciale SPDR. Un petit open space. Ok, ah oui, effectivement. Avec une vue plutôt sympathique sur. Bah, une vue plutôt sympathique, hein, tout court. Hein. Effectivement,
C'est plutôt sympa. Je vais mourir, c'est terrible. J'ai en train de tousser en permanence, j'en peux plus. Hein. Faut pas faire ça. Du coup, comme d'habitude, petite toilette comme d'habitude, et on va aller voir les unités. Du coup, ça c'est l'open space où il y a un peu tout le monde qui travaille, et on va voir les unités spécialisées. Hein. Du coup, il y a une pièce pour chaque unité. À peu près. Bon, sauf la formation. Oui, que... ils sont ah. bien dans l'open space ou bien ici dans le second open space qui est un peu moins utilisé. Ok. Par contre, ça c'est ma salle. La salle du SWAT. T'as perdu la table. On a... En vrai, c'est le petit truc. J'aurais bien aimé que la grosse table avec le plan. Ah ouais, c'est dommage, c'était pratique. Ouais. Elle était belle en plus cette Après, table. Après, tu peux faire les dessins à la main sur le tableau blanc, mais ça va pas être la même chose. Quoi. Je pense que t'as jamais vu mes talents de dessinateur. Hein. Je. Faut mieux pas. Et du coup, on a. Pour de l'équipement spécialisé ici. Hein. Ah! Et du coup, vous passez par là à chaque fois que vous devez vous, non, vous équiper. Non, on a l'équipement de base. C'est après, okay. On a du entre guillemets, c'est du stock en plus pour ranger ouais. 2-3 armes, des trucs. Là, on a 2-3 caisses de munitions en plus, voilà quoi. Parfois, quand je suis ici en train de travailler et on doit partir, en soi, si on est en train de, on a nos casiers personnels du SWAT ici. Ok. Mais on a un duplicat en bas pour nous. Hein. Ah ouais, donc vous pouvez quand même vous changer ici. Enfin, vous c'est avez, ça. C'est ça. Des deux côtés quoi. C'est ça. Comme ça, si on doit intervenir, on peut intervenir le plus rapidement possible quoi. Ah okay. Oh, puis c'est bien. Alors, c'est pas vraiment fait pour. Oh, vous avez une bannière SWAT par contre. Alors, il y a déjà des gens qui m'ont dit pourquoi il y a juste écrit SWAT. Moi, on m'a dit il faut avoir une bannière. J'ai fait SWAT. Après, imprimeur, c'est un peu chier sur l'impression, mais. Je me suis pas fait chier à mettre des armes dessus, des trucs. Oh non, 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 non. J'ai mis SWAT en grand, comme ça, au moins on sait où on est. Pas besoin de discuter. Oui, et puis tu l'accroches sur un véhicule quand il arrive, comme ça, les gens. Bon, je pense que sur les blindés, y a pas besoin. Hein. C'est vrai que maintenant, c'est. C'est sans équivoque. Du coup, salle BE ici, dans les deux salles, c'est salle BE. Ils peuvent travailler dans leur bureau. On va pas trop rester ici non plus. Comme il y a des dossiers un peu sensibles. Il y a une vue sur Vespucci toujours. Ah bah, toujours une vue sur Vespucci. Ah bah, nickel. Ils ont même pas besoin de quitter leur salle du coup. Ah oui, non mais eux, hop. Ils peuvent être comme ça là. Bonjour, il y a qui est en train de... Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas le quartier, il y a trop d'arbres. Ah, le quartier de la plage? Sentinelle. Sentinelle. Le quartier en 82-45K. Mais du coup, il y a encore quoi ici comme salle? Ah, si, il y a salle où il y a toutes les caméras du PDP. Vous allez voir, la sécurisation du PDP, on rigole pas avec. Oui, parce qu'avant c'était dans la salle BE qui avait toutes les caméras, c'est bien que ça soit pas incroyable. Voilà, et ça c'est... y a... Toutes les caméras sont... Vous avez accès comme au pénitencier. Non. Non, ok. Non. Non, bah on sait pas, c'est possible. Hein. C'est possible, mais non. ça serait incroyable, bon. Pas que je suis au courant en tout cas. Je pense que les Marshall nous auraient présenté le. Oh oui, il l'aurait dit, oui. La fonctionnalité. Même si on était 50 dans cette salle au bout d'un moment. Oui, ça fait beaucoup, oui. Oh bah, c'est des grandes salles, mais c'est des grandes salles pour deux, quoi, pour 50. Ça... On va dire qu'on était. Quand j'étais. Tout le SPI, le bureau du procureur, l'état-major des deux sauts de service, la mairie et le GOUV. Ouais, ça faisait du monde, hein. Ouais, bah oui, quand même, oui. On va dire, c'était plus fatigant ça que deux fusillades à la suite. Se déplacer avec 50 dans des couloirs comme ça, là, c'est... Ouais, bon. Ouais, il faut faire ça de temps en temps. De temps en temps, vous faites un exercice déplacement à 50, et comme ça, ça enlève du stress pendant les fusillades. Non. Yeah. Et du coup, la porte au fond, comme d'habitude, on arrive à la... L'ascenseur secondaire. Enfin, principal, du coup. On a pris les secondaires, là. Non, du coup, ouais. L'ascenseur principal est juste à notre gauche. Ok, bah je... Lesquels sont principaux et secondaires?
Et la formation, on n'a plus. Il m'en a même pas parlé. Hein, donc... Du coup, on va voir les bureaux du procureur. Et bonjour. Et bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, bonjour. Ah ben, salut, voilà. Jim. Et bonjour, Jim. Oh, bonjour. Salut. Bonjour, monsieur. Voilà. Comment allez-vous? Bienvenue au bureau du procureur. Vous voulez une anecdote? Je sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Ah, c'est terrible. Il y a un bureau. Il y a un bureau. Elle est au courant. Faut demander à la presse. Voilà. Sinon. C'est le. Ah, il y a des gens qui travaillent, hein, madame Espil. Ah. Tout à l'heure, on a chuchoté, pas chuchoté. C'est du casino. Alors, du coup. Le petit bureau. Le bureau du procureur général est juste ici, sur votre gauche. Voilà. Bon, n'ouvre pas les tiroirs, il y a des dossiers sensibles. D'accord. Allez, comme ça c'est plus sûr. Non, madame Esprit, non, on n'ouvre pas les tiroirs. Non, non, je regardais juste ce qui était là, glissé un petit peu, peut-être que... Mais non, 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 je veux pas plus loin. Le dossier marqué confidentiel. Bien sûr, parce que oui, moi c'est ça qui m'attire. Quand c'est rouge, j'aime bien les voir. Que c'est écrit confidentiel, ça vous attire? D'accord. Ah oui, je sais pas pourquoi, c'est fou. Quand on dit censure, par exemple, j'ai les oreilles qui chauffent comme ça. J'ai dit censure, j'ai dit confidentiel, non, il est censuré. Petit bureau, merci. J'ai dit, je vous... Ah mais c'est pas la même. Oh putain, oh, mais vous avez une salle de réu en plus. Oui, on a une salle de réu. Ah, vous avez pas de salle de réu? Si, ah, mais elle est au premier étage. Ah bouh, ouais, pas de salle de réu, perso, pour le BE. Enfin, pour les EM, pardon. C'est pas un... c'est pour... C'est monsieur le sergent. Je peux être à bonjour. Non. Il n'y a pas de salle de réunion, voilà, si, non. Ah, si, on a une salle de réunion tout court. Hein. Après, ils ont plein de bureaux. C'est... Ah, 50, ça va être réunion. Ils sont... ah, oui, vous êtes combien, oui, là, pour le moment, procureur? Actuellement, 8, nous 9 sommes 9. Oui, à savoir qu'il y a 4 procureurs qui ont été mis en place, donc début mars, si je ne dis pas de bêtises, par l'équipe des Marshall, qui, fin de ce mois-ci, auront terminé leur... leur mission. Okay. Et donc, début du mois prochain, nous retomberons à 5, pouvant aller jusqu'à un effectif maximal de 6. Voilà, voilà. Ok, 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 parce que oui, votre bureau... du coup, les procureurs spéciaux, quoi. Et vous avez les petites, vos petits noms qui sont en face de chaque siège. Très important. Oui, presque. Alors, disons que oui, c'est... Oui, ouais, vous pouvez les glisser, quoi. C'est ça que... Oui, c'est ça. Les, voilà, les réglettes sont déjà prêtes, le petit papier. On glisse le petit papier sur le présentoir, exactement. Ouais, c'est plus pratique, ça permet de changer de siège entre les réunions. C'est comme à l'école. Oui, exactement, oui. On fait un petit strapontin avec une feuille de papier, c'est réglé. Alors ici, vous avez tous les dossiers classés. Dossiers classés. D'accord. Ok. Dossiers classés, oui. Important, intéressant. Et bah voilà. On... Y a rien qui dépasse. Non, non, les tiroirs sont fermés. C'est là qu'il faut fouiller pour l'école case. Et ici, on a encore un petit dernier bureau. Voilà. Ok. Ah, vous avez que 3 bureaux en tout? Oh bah, vous savez, on est plus souvent en dehors qu'à l'intérieur. Oui, hein. je me doute, mais alors, mais quand vous serez 6, ça ira. Cette phrase sortie de son contexte, c'est terrible. Oui, je relève pas. On était tous dans le contexte. Vaut mieux pas dans ces cas-là. Non, je relève pas. Et ben bah, voilà, okay. Le petit tour a été rapide, hyper rapide, efficace, bah, pas merci cher. Merci beaucoup. Et vous avez les toilettes quand même. On m'a dit qu'il y avait des toilettes à tous les étages. Ah. Alors, quand je vous disais que je savais pas ce qu'il y avait derrière la porte en bois... La porte en bois, bah oui, je pense que c'est ça. Hein. Elle a une porte... exactement. Let's go. Les toilettes. Let's go, les toilettes. Ça confirme que vous n'êtes pas souvent au bureau. Bah, je suis surtout pas souvent derrière cette porte. Moi, j'ai une question, voilà. Mais on peut sortir avant pour la poser. Ah bah, ok. Ah, il faut... Il y a des questions qu'il faut poser aux toilettes, c'est... Bah, je sais pas, c'est bizarre. Dites-moi. Mais vous savez pourquoi du coup votre bureau a été déplacé ici du LSPD dans le même bâtiment? Il a été déplacé pour regrouper en fait l'entité LSPD et de ce que j'en sais. Il a été déplacé pour regrouper les deux entités afin d'accélérer les procédures
pour éviter les temps de trajet ainsi que les trajets inutiles entre le bureau du procureur et le poste de police de, du LSPD. Et ça marche ? On y passe 80% de temps. Mais ça marche assez bien vu que on est plus souvent dans la zone cellule que dans la zone de notre bureau. Oui, c'est donc, ça. Donc oui, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Ok. Vous êtes content, vous, du coup ? Écoutez, moi je suis très content des nouveaux bureaux et je suis très content de la proximité avec la police. C'est beaucoup plus simple pour les échanges d'informations, les demandes de renseignements, etc. C'est plus simple que par téléphone. Et puis ça permet de voir plus de monde que 6 ou 8 personnes dans une grande tour toute vide. Voilà. Bah oui, à fond. Et vous avez pas peur qu'il y ait des informations qui filent d'un service à l'autre sur une conversation entendue au détour d'un couloir ? Étant donné que les conversations qui sont dites au bureau du procureur sont généralement des enquêtes menées par le LSPD ou par d'autres services de police. Dire, normalement, les procureurs sont juste là pour ils sont mandatés pour s'assurer que la loi est respectée. Mais ils sont plutôt quand même du côté, enfin, sans être son côté de la loi, mais du coup aussi des policiers. Oui, non, mais c'est pas une histoire de côté, enfin, c'est pas une histoire de. Oui, non, mais je veux dire, ils sont plus ensemble, hein, ils sont pas l'un contre l'autre. Oui, bien sûr. Ou séparés. Après, ça n'empêche que les informations confidentielles doivent le rester. Exactement. D'accord. Toute information. C'est pour ça que on chuchote en permanence dans les bâtiments, parce que les murs sont en carton, les sols sont en carton-pâte. Et Louis porte très bien, donc voilà. Ok. Mais sinon, non, tout est ok, tout est nickel. Donc voilà. J'imagine que Madame Espine, vous êtes en train de réaliser un article. Ouais. Bah oui, si c'est pas, je prends note, mais si c'est pas moi qui réalise, de toute façon, ce seront mes collègues. Donc, oui, oui, bah oui, bah, de toute façon, ici. Il n'y a aucun souci, hein. C'était une petite visite, petite explication, et puis voilà, on est. Oui, mais c'est ça. Non, mais par exemple, moi je trouve ça bien de savoir du coup que le fait que ça soit rassemblé, c'est pas juste théorique, que l'accélération des procédures, ça est effectivement. Donc, vous voyez déjà la différence, quoi. C'est ici que vous viendrez déposer des plaintes, ou j'ai entendu audition. On chuchote. Simple audition. Le commissaire, lui, chuchote. N'importe quel agent. C'est marrant, parce que j'ai entendu une réflexion de la même voix qui me disait de parler moins fort. Il n'y a pas de souci. Vous verrez, il y a une belle vue. Moi aussi. Oui, c'est la meilleure. Oui, c'est la. Bah, d'ailleurs, le bureau de Val est exactement là où. Moi, je pense, oui. Ah bon ? Ah oui. Collé à la vitre du Burger Shot. Ah non, c'est bon, ok. Oui, Burger Shot, ils sont très bons d'ailleurs. Je passerai commande en fin de journée. Ça peut être sympa. Voilà. N'oubliez pas le lien, s'il vous plaît. Du coup, si vous regardez bien, il y a les traces pas... de bas. Ça n'a pas marché. C'était bien tenté. T'as pas vu la cafette ? Il a déjà. Fermez-la en bas, vous-même. Voilà, comme ça, c'est fait. Bon, ça va, il y a une bonne ambiance. Et là, il va débarquer. Bon, je vais vous accompagner avant qu'il débarque. Merci avec beaucoup. C'est la merde. Je vous souhaite une bien belle journée. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour le. Belle journée également. Merci beaucoup. Bon courage. Mais avec plaisir. Au revoir. Bon choix. Vous croyez que comme ça va me faire la tête ? De quoi ? Je pense pas aujourd'hui, non. Il verra quand vous arrivez. Hein. Quand il va arriver, je verrai. Pense. Oui, c'est pas faux. Bon, je pense qu'aujourd'hui sur les visites, on est moins regardant sur ce qu'on dit à Otto. Oui, bien sûr. Surtout quand on a des commentaires. C'est dit. Bah oui, c'est ça. Meuf. Je vous souhaite à toutes et tous une bien belle journée. Merci. Bon courage à vous encore. Allez, nous on redescend. État-major. Accueil. Ah, il y a un étage complet pour l'état-major. Oui, bonsoir. Oui, on est d'accord qu'ils sont cachés à la ligne, c'est ça ? Ouais. Ouais. C'est bien ce que je me disais, j'avais envie de les insulter quand j'ai vu ça. C'est compliqué d'être lieutenant. C'est bon, j'ai fixe.
J'ai tous les autres trucs. Ah, c'est le dispatch encore Non. et toujours. Une partie du boulot du lieutenant, c'est de Monsieur réparer le le procureur, dispatch. c'est pas que je vous fais pas confiance que tous les procureurs vont prendre leur service en même temps, mais bon, je pense que la probabilité qu'elle arrive, bah, je pense qu'on va avoir assez de numéros à contacter, peu importe le numéro qui n'est pas affiché. Voilà. Et merci à vous en tout cas. Et merci. Allez, Et bonne soirée. Et merci. Je vois qu'une partie du boulot de état-major, ça reste de réparer le dispatch. Du coup, bureau du commandant, hein, ou des commandants. Bureau du commandant, bon, un bureau avec un petit canapé s'ils veulent dormir sur place. Oh la chance, ils ont droit à un canapé. Eh oui. Un bureau d'état-major. On se le partage avec notre petit canapé, bien sûr. Un canapé pour 4. Bah, bien sûr. Un peu moins pratique, mais bon. Un autre. Ah, bah Ah, non, non, merde. la porte. La porte, elle est là. Un autre bureau d'état-major. Ah, il y en a plusieurs, bon ça va On alors. en a deux, là. Ah. On retombe à un canapé pour 2, tout va bien. Et du coup, le commissaire avec son petit canapé et toutes ses coupes et ses médailles. Ah, puis lui, il a droit à un bureau avec une profondeur de champ. Ah bah alors lui, il a la place quoi. Par contre, il a toujours pas déballé tous ses cartons. Non, monsieur le 2, je crois que c'est le BE qui l'a amené un Ah. dossier qu'il voulait qu'il relise ou un truc comme ça, je crois. Voilà. C'est ça. Voilà, et du coup, le dernier étage, ce sera le toit. Hop, il a une machine à café aussi, juste pour lui. Bon, du coup, ici, on évite de rester trop longtemps parce que si c'est un hélico qui atterrit ou qui doit décoller. Ouais, c'est pas très très grand non plus. Hein. Ouais, puis bon, après, est-ce qu'il y a besoin de temps? Parce que le précédent, toi, il était très grand, mais au final, c'était plus compliqué qu'autre chose, parce que si jamais. Ben, là, le problème, c'est la station essence. Elle est un peu Elle proche, ouais. est surtout pas côté du truc. Du coup, on peut pas sortir l'hélico avec la queue vers les ascenseurs, parce que c'est dangereux. On peut pas sortir la queue de l'hélico vers le truc. Ouais, Ouais, du coup, il n'y a plus qu'une dénivelée, quoi. Parce que moi, de Ouais, base, je me mets je dirais toujours même là. de le sortir plutôt par là, Ouais, c'est ça. vers la mer pour éviter que sur un jeu tourne un peu en décollant. Ouais. Voilà quoi. Et du coup, le dernier, on va pas y aller, mais en gros, l'ascenseur secondaire sort sur le toit en contrebas ici. Ah, il y a quand même un contrebas. Ah oui, il y a un plus petit toit. Et du coup, là, Enfin, plus bas. s'il y a des gens qui veulent aller fumer, des trucs comme ça, ils peuvent aller. Voilà. Et du Ok. coup, ça conclut à la fin du tour. Et c'est très sympa, c'est globalement beaucoup plus grand. Et puis C'est il y a globalement beaucoup plus grand, oui. un petit peu plus de bureaux C'est ça. de trucs dispo, c'est cool. Bah maintenant, ce qui est entre guillemets compliqué, c'est avant, on savait quand on cherchait quelqu'un, ils étaient ou bien Oui, c'est vrai en haut ça. des escaliers ou bien dans l'open space. Maintenant, peut être partout. C'est vrai que quand on cherchait quelqu'un, C'est juste une habitude à avoir et voilà quoi. disait ah t'as regardé, il est peut-être en salle BE, éventuellement pour le BE. Là maintenant, Ouais, voilà. compliqué les gens Maintenant, cachés. bonne chance à nous, on téléphone et voilà. Ouais, je pense hein. Soit un coup de radio, soit un coup de téléphone, il n'y a plus vraiment le choix. Et du coup, on peut retourner à l'accueil. Oh là là, tout ça c'est pour des Il y a visites? plein de monde, dis donc. Je suis arrivé vraiment pile dans l'heure creuse. J'ai l'impression, oui. Parce qu'il y a quand même, il y a à peu près autant de monde, voire un peu plus, qui sont sortis. Ouais, non mais pareil, sport phase et voilà. Et voilà. Pas nickel. Des questions? Pas du tout. Hein.
Bon, non, c'était plutôt clair. Hein. Bon, voilà. Et là, la salle qui est là, vous pouvez rentrer. La porte est ouverte. Il y a plus de la porte juste là, en gros. Bah, tu vois les deux portes qu'on doit emprunter, quoi. Ouais. Ok, ouais, ouais. Oui, c'est là, juste un couloir derrière. Et celle-là, on peut rentrer. Ok. Parce que je sais que Carter aime bien se mettre derrière les. Ah, oui, oui, oui. Oui. Oh là là. Et voilà, du coup. Eh ben nickel. Et bah, bah du coup passe une bonne journée à toi. Bonne journée et puis j'espère que ça se passera bien dans ce nouveau commissariat. Oui, oui, oui. Moi je me fais pas trop de soucis là, tu vois. Allez, bon courage. Et merci. Bonne journée messieurs dames. Bonjour de procureur. Bonjour. Ta-ta-la-ta-ta. Oula, dis donc ils sont tous garés là. Après le Weasel refait peut-être pas des bandeaux non-stop. Ah, il y a un hélico qui démarre. Il est très chouette ce poste de police. Il est très très grand. Mais du coup ça corrobore avec le fait que il y a maintenant quand même pas mal de policiers. Le fait qu'il n'y ait pas de stand de tir, c'est un peu dommage. Parce qu'effectivement, pour les PPA, comme disait Lily tout à l'heure, ça va compliquer un petit peu les choses. Est-ce qu'il y a du monde de... Non, du coup, il n'y a pas de monde dehors. On va quand même aller voir par curiosité. Bon, il y a des gens qui peuvent regarder vers la fenêtre, mais on va faire comme si on continuait par là. Dès qu'on n'est plus en vue, hop, on va monter. De toute façon, les fenêtres ont l'air d'être toutes... Toutes les fenêtres sont visibles, mais elles ont l'air d'être toutes... à sens unique. C'est peut-être un peu dommage pour les... Pour les bureaux, par exemple, d'état-major ou du commissaire. Ou... Je peux comprendre qu'il y ait des... Qu'il y ait des fenêtres... Voilà. Oula, il y a du monde. Hop. Bon, on voit le toit. D'ici, on voit le toit, donc on est à la même hauteur que le toit qui est en face. Une autre échelle là, donc on peut peut-être arriver de manière un peu plus discrète. Parking multicolore. En plus, c'est juste à côté de la mairie, donc c'est pratique quand le maire et le LSPD doivent communiquer. Pas beaucoup ce qui se passe. Ah là, c'est mieux. Et là on pourrait remonter, par contre là on n'a pas l'air de pouvoir descendre. On peut redescendre par là, on peut peut-être pas monter mais on peut redescendre par là. Ok. Ah oui, puis c'est juste là. On peut peut-être monter quand même. Alors attendez, hop, on va tenter un truc. On va voir si c'est faisable. Bah en vrai si, on peut escalader là. On peut pas, il n'y a pas d'échelle, mais on peut escalader cette poubelle là. Monter là, donc ça c'est faisable. Pour être un peu plus discret. Et on peut peut-être là. Peut-être accrocher la... Non, on va accrocher l'échelle. Bon, de toute façon c'est plus pratique en montant sur la poubelle là. Donc il reste des possibilités si les gens veulent espionner le PDP pour les criminels. Ça c'est plutôt cool. C'est important qu'il y ait toujours une contrebalance. Moyen de faire des choses, qu'il y ait des ouvertures de possibilités. Pas forcément que les gens le fassent, mais au moins qu'il y ait la possibilité de le faire. Ok. On va attendre un peu, on va voir si mon perso veut bien monter. Voilà. Oula, dis donc. Ah, ils ont carrément changé les camions Rogers. C'est pas juste le logo qui a été
avait dit qu'ils avaient des nouveaux camions, mais je pensais qu'ils avaient changé les perfs, pas qu'ils avaient changé le... Pourquoi je vais par là, moi? C'est le quartier... Ah bon, envoyer un message, ah, j'ai pas répondu, j'ai même pas regardé, c'est pas faux. et voilà, et... Oh, on dit que je passerai peut-être au LSES, mais... Allez, on va passer voir vite fait. Ah, j'ai pas demandé à il, je voulais lui demander s'il savait pourquoi il n'y avait pas eu de communication de la mairie. Mairie qui est, j'imagine, fermée. Notre Sprinty, c'est fermé. Après, je peux pas tellement critiquer parce que le problème, c'est qu'avec mon absence, il y a eu beaucoup de moments où la mairie. Wouhouhou! Failli mourir. Il y a eu plein de moments où la mairie a été fermée en après-midi et tout et tout. Donc je peux pas vraiment dire, oh, dis donc, vous êtes pas souvent ouvert alors que nous, on était tout le temps ouvert. On n'a pas été tout le temps ouvert. Dommage, parce que ça aurait été un argument intéressant. Oh, il y a les pompiers! Et là, c'est pas vraiment une place de parking, mais ça évite donc qu'on aurait des places de parking. On laisse les voitures passer. Commence à être envahi en France, à certains endroits. Ah ouais? Et bonjour! Bonjour. Bon, on va attendre 2 minutes s'il n'y a pas de médecin, on va pas insister, hein, sinon. Oui, bah carrément, elle s'en va. Oui, d'accord. Pas d'accord. Bah, au revoir. C'est du monde, on va profiter, on fera un don du sang, on parlera un peu avec le médecin. Y a personne. Bon, ça casse. Y a un mec qui sort d'une salle d'attente. Allez, c'est trop long. Il y a trop de monde. Il y a plein de monde qui attend. Il n'y a pas de médecin. On reviendra plus tard. Bonjour, monsieur. Et là, le problème, c'est que s'il y a un médecin qui arrive, eh ben, il va pas me prendre moi. On va devoir attendre encore. Et à la base, je venais pas faire du GTA. La prochaine fois qu'on jouera, on passera. J'aurais dû peut-être prendre de l'essence. Ah, on n'a pas regardé d'ailleurs les. Pas regarder les bornes essence si elles avaient été placées, celles de Yvonne. Donc je pense à faire ça une fois arrivé parce que pour éviter de regarder trop la map pendant qu'on roule. Oh, dis donc, c'est des ballasses qui se baladent en meuf, ça.
tentative de meurtre, c'est sûr. J'ai plus l'habitude des... des gens qui conduisent, qui tournent au dernier moment dans, dans GTA, du coup. Je n'anticipe plus de la même façon. Une bonne façon d'anticiper les gens qui tournent comme ça, c'est de mettre du côté où il n'y a pas le virage. Comme ça, si jamais ils tournent, bah, j'aurais doublé à droite. Parce qu'on prend l'habitude de doubler par la gauche, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en fait, dans GTA, il vaut mieux doubler par là où c'est le moins dangereux. C'est comme ça qu'on a le moins de chances d'avoir un accident. Hop là. Ah, bon, ça. Hop, voilà. La moto. Et je rentre. Bon, c'était chouette cette petite visite du LSPD. C'est plutôt cool. Voilà. Est-ce qu'on va faire éventuellement... Ouh, déjà on va quitter ça. Éventuellement on va voir pour... pour faire un prototype de logo. Je sais pas comment je vais faire mon logo, je sais pas si je vais être capable de faire un truc moi-même ou s'il va falloir que je demande de l'aide. Mais on va tenter. Alors il doit y avoir d'ailleurs sur Google un truc pour dessiner normalement. Je crois que j'en avais même peut-être téléchargé un spécial parce que ça n'existe pas de base, un truc comme ça. Peut-être, peut-être pas, je ne me souviens plus. Je cherche à vous afficher ça. Google Drawing. Apparemment, il y a une application dessin qui s'appelle Dessin. Alors, on va chercher ça. Hein. Autre application Google. Dessin. C'est pas évident ça. Ok, je crois que je l'ai. Ok, je l'ai. Du coup, ce qu'on va faire... c'est que je vais vous afficher... ça, attention les yeux, on est sur du... Voilà, donc, je vais découvrir l'application en même temps que vous, mais ça devrait aller. On a dit, je vais aller chercher également mes notes sur le sujet, qu'on voulait l'enquêteur, le bodyguard, la presse, le pilotage... éventuellement l'organisation d'événements, mais ça on va peut-être la laisser de côté pour le moment. Ce qui veut dire que il nous faut trouver un truc qui permet d'avoir tout ça.
Dans l'idée que j'avais moi, il faut un bonhomme. On va essayer de faire ça en grand. Est-ce que si on le fait au marqueur, c'est mieux ? On va le faire au crayon. Il faut un bonhomme. De toute façon, c'est un croquis. Dans l'idée... On va lui faire des épaules déjà. Ouais, il faut peut-être pas trop lui faire d'épaule, justement. Moi, j'aimerais bien que... On va lui faire un coup. Voilà, il a un coup. J'aimerais bien que... Il ait plein de bras. Genre... Un bras qui part ici. Un bras qui part là. Pour le moment, j'ai dit que j'en avais besoin de 4, je crois. 1, 2, 3, 4. On va rester sur 4. On va ressembler à une araignée. Voilà. Après, il y a son bassin là. Et on pourrait faire un truc genre... Il est assis en tailleur. Hop, ça c'est ses pieds. Voilà, il est aussi en tailleur avec globalement une jambe là et une jambe là. Et là, du coup, il y a une main. Hop là. Attendez que je fasse ça bien. Ouais, le pousser vers le haut. La main est beaucoup trop grosse par contre. Hop, 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 et que dans chacune de ses mains... Ah, elle est dégueulasse celle-là. Ah, elle est dégueulasse aussi. Bon, elle sera dégueulasse. Une gomme ça? Ça c'est une gomme? Voilà. Que dans chacune de ses mains, celle-là elle est beaucoup trop longue aussi. C'est pas grave, ça sera bien comme ça. Y ait un logo de ce que je veux faire. Par exemple, enquêteur privé. Alors, soit on met un bonhomme avec que deux mains, mais plein d'accessoires comme un chapeau d'enquêteur, un holster pour faire bodyguard, un logo de presse. On pourrait partir là-dessus aussi, mais bon. Sinon, on met genre un avion ici. Comment on fait la queue d'un avion comme ça. Bodyguard. Bon, ça va être un flingue. Hein. Un flingue ici. Je fais tellement bien les pistolets. Le canon du pistolet va vers le bas. C'est vraiment ridicule. La presse, ça sera un appareil photo. Ça, c'est facile. Alors, je ne sais pas trop si je le mets à côté. Je pense que je le mets au-dessus des mains, comme ça. Comme si c'était en lévitation au-dessus. Et du coup, il reste enquêteur privé où c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire comme logo pour un enquêteur privé? Est-ce que vous avez une idée de logo pour les enquêteurs privés? Parce que le symbole spy sur Discord est très bien pour ça. Ça donne un côté enquêteur. Mais du coup, dessiner un bonhomme dans la main d'un bonhomme, c'est un peu bizarre. On pourrait mettre un rapport, mais c'est pas hyper clair. Ça peut être plein de choses si on met juste une feuille de papier. Après, les enquêtes, c'est un peu aussi des photos. Une loupe, c'est pas mal. C'est la loupe, généralement,
Une loupe. Elle est dégueulasse ma loupe aussi, mais bon. Voilà. L'idée, ce serait un logo comme ça, avec des bras un peu plus proportionnés. Peut-être celui-là est beaucoup trop grand, vraiment. C'est un bonhomme, hein, il a des yeux. Il a un nez. Une bouche, il est content. Voilà. Et éventuellement, on pourrait mettre un calendrier. Alternativement pour... Bon, il manque une troisième ligne, mais vous avez compris. Hop. Si on fait un événement, si on veut rajouter l'événementiel dedans. Et un marteau. Si on veut rajouter conseiller juridique. Pourquoi pas? Mais en vrai, conseiller juridique, c'est un taf d'avocat. Il faut être joignable, je pense, facilement et tout. Je pense que c'est un truc où il vaut mieux être là très souvent et très présent. Et donc, je pense pas que ça soit une bonne idée de le faire. Mais voilà, globalement, dans l'idée, ça ressemblerait à ça. Le logo que je veux. Et si on rajoute ces deux-là, du coup, on peut rajouter deux bras de plus. Il me faudrait un truc... Il me faudrait un truc qui caractérise Parks, à part une mémoire de poisson rouge, pour que le logo, en plus, soit un peu plus... ressemble un peu plus à... Enfin, face, penser à Parks, mais je vois pas comme ça, là. Parks, il est pas... Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui le définissent physiquement. Ça serait le commissaire, par exemple. Il faudrait mettre des cheveux gris. Ça serait... pareil. Il avait une coupe... Sigurdsson, il avait une coupe bien spécifique. Tu mets la coupe, pour les gens qui le connaissent, bon, ça paraît évident. La coupe de Parks, pour le coup, elle est assez simple. Les habits sont pas extravagants. Enfin, il n'y a pas de... mais voilà. Voilà à quoi ressemble l'idée de logo que j'aurais pour l'entreprise. Ça ressemble vraiment pas à un pistolet. À la limite, ça ressemble à un jouet de pistolet ou un pistolet alien. Ça ressemble ouais, vraiment plus à un pistolet en plastique. Ou un peu au pistolet à eau. Voilà. Voilà, voilà. Il est 16h38. On va passer un peu sur Blender. Je vais juste couper le live et le relancer pour les rediffusions. Histoire que la rediffusion soit que sur GTA. Que la diffusion suivante soit que sur Blender. Comme ça, c'est plus simple. Donc, je vais faire ça. Je coupe le live et je le relance. À tout de suite.